Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de Afrique Actu, déjà, donc euh, un mois, jour pour jour presque, après la, le premier enregistrement, avec notre ami Emmanuel Dupuis. Bonjour, Bonjour, Emmanuel. Président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, et expert urbi et torbi. D'Europe, de France, d'Afrique et euh, évidemment de Méditerranée entre les deux. Voilà. Alors, de bon. relations entre les deux rives, comme on dit. Euh, justement, très cher Emmanuel, on va commencer par le, un pays de la Méditerranée, le Maroc. Et, euh, parce qu'on commence par de bonnes nouvelles, ça nous met en joie. Le Maroc et la France, on est en train de se rabibocher. Une demi-douzaine de ministres ont fait ou vont finaliser le voyage. De, de la France vers le Maroc. Euh, je crois que c'est Franck Riester qui a dit qu'on euh, allait investir euh, dans le sud, donc le Sahara marocain, du côté de Dakhla et toute cette région-là. Donc en fait, on a l'impression qu'on assiste par l'économie à une reconnaissance pleine et entière, mais même si elle n'est pas formelle, de la France, par la France. Bah de la Marocanité du Sahara. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, alors vous, déjà, Alfred, vous avez raison. C'est assez rare de pouvoir positiver sur les relations diplomatiques entre nos deux pays, surtout qu'elles se sont nettement refroidies depuis un an et demi. Donc tous les signaux euh, précurseurs d'un rabibochage, comme vous dites, ou d'une relation qui doit se remettre dans le bon rail, est bénéfique. Vous avez mentionné le fait que cela est symboliquement... Euh, pertinent avec la prise en compte des de déplacements d'un certain nombre de ministres et non des moindres. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, suivi par le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Il y a encore quelques jours, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a rencontré son homologue, ses deux homologues, ministre de l'Intérieur et ministre des Habous et des Cultes euh, marocains, par rapport à sa qualité de ministre de l'Intérieur et de ministre des Cultes français d'ici quelques jours, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, ainsi que Madame Dati, ministre de la Culture. Et puis on attend surtout, peut-être qu'on en parlera, euh, la finalité, c'est-à-dire un déplacement du président Emmanuel Macron au Maroc pour rencontrer son homologue Mohamed VI. Ils se sont parlé plusieurs fois, les relations se sont tendues au fur et à mesure des interprétations par rapport au grief que le Maroc faisait à l'égard de la France, le Maroc reprochant à la France d'avoir une position attentiste sur le statut du Sahara que vous mentionnez, qui remonte à la position défendue par la France en avril 2007, mettant en avant l'autonomie comme une solution pour l'autodétermination euh, euh, des provinces du Sud, appelons-les Sahara marocains, d'autres l'appellent le Sahara occidental mais les signaux avant-coureurs auxquels vous faites référence sont à déceler dans la moindre petite amélioration. Un colloque à Paris, On, il y en aura un lundi au Sénat, organisé par les alumni de l'ENA marocain, qui vont convier un certain nombre de grands témoins de cette relation entre la France et le Maroc, en ayant bien évidemment euh, une pensée pour celui qui l'a incarné et qui a toujours tenté euh, de clocher ou de… Améliorer les relations bilatérales, Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc, désormais euh, le représentant spécial pour la politique étrangère de Gérard Larcher. Samira Sitta, la nouvelle ambassadrice, qui a enfin pu déposer ses lettres de créance, circule beaucoup dans les colloques, dans les médias. Nous espérons qu'elle vienne ici sur le plateau de Global Media pour dire que désormais les relations se sont normalisées. Néanmoins, pour relativiser quand même un peu. On attend toujours la décision française par rapport à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Geste qu'un certain nombre de ses partenaires ont déjà fait. L'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, dans une logique ou dans un environnement économiquement très concurrentiel. L'Espagne et la France se disputent la première place oui. en termes de. Premier partenaire du Maroc. 14 milliards d'investissements pour la France, qui l'ont placé cette année juste devant l'Espagne, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et puis, bien évidemment, aussi, désormais, un autre signe positif, à savoir l'autorisation par la structure de financement privé de l'AFD, Proparco, pour inciter les entreprises françaises à investir à Darla, à Laïoun, dans les provinces du Sud. Dans le secteur de l'héliotique, dans le secteur de euh, l'électrification des grands réseaux euh, euh, routiers, notamment l'autoroute la, euh, qui va relier Darla, 1000 km, jusqu'à Agadir. Donc, un printemps faste pour les relations franco-marocaines, mais néanmoins, une attente très forte du côté du Maroc pour que la France puisse dire si que... oui ou non elle reconnaît. Que l'autonomie est non pas une, mais la solution. C'est juste cette petite locution qui doit être modifiée pour que la résolution onusienne, que la France avait appelée de ses vœux en avril 2007, remette définitivement et de manière pérenne les relations sur de bonnes dimensions. Oui, alors je vais juste ajouter une petite chose, cher Emmanuel, parce que quand on évoque les pays du Sud, on voit toujours les flux dans le même sens. Mais je voudrais signaler à nos téléspectateurs que le stock d'investissement du Maroc en France, ils sont les premiers investisseurs africains en France, est passé de 372 millions d'euros en 2015 à 1,8 milliard en 2022. Et tout ça, malgré les bouderies qu'on a connues, en fait, ça a été à peu près multiplié par 7, ce qui est énorme. Donc ça veut dire aussi l'attachement du Maroc à la France. Alors si je peux rajouter un autre chiffre à, 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 à l'évocation très pertinente de cette relation qui n'est pas seulement une relation unilatérale, les étudiants marocains, les 35 000 étudiants marocains, et dont le témoignage brillant se retrouve parmi les mieux classés dans les grandes écoles, il y a encore deux ans le majeur de Polytechnique était un marocain, c est aussi la preuve que, euh, alors que l'on dit le système éducatif universitaire français en perte de vitesse, alors qu'on l'a senti en péril avec l'augmentation la, mal expliquée de la part des autorités françaises sur les, euh, les, les financements et sur les frais de scolarité, notamment pour les étudiants africains, je ne passe évidemment pas sur euh, la, la, le diktat consistant à mettre des contraintes supplémentaires pour l'obtention du visa. Les étudiants marocains, les chefs d'entreprise marocains, l'élite marocaine continuent à voir dans la France le partenaire d'exception que l'on dit souvent ou que le, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné appelle dans la plupart de ses discours, mais qui se concrétise sans que les chicaneries, comme vous dites, euh, picrocollines entre diplomates, ne viennent remettre en cause l'excellence de cette coopération. Oui, et puis le. Le Maroc Entrepreneur, qui est une association de, de jeunes euh, diplômés, qui est très très active à Paris, qui fait un grand événement chaque année. Oui, le Cercle de la Croix, les élus franco-marocains. Ouais. Moi-même, si je puis faire une annonce préraciale avec mon directeur des études, Kader Abderrahim, nous avons lancé le Cercle Al-Idrissi. Vous nous avez fait l'amitié de participer à une des réunions, dont le but est de féconder, de rassembler les chercheurs de part et d'autre des rives de la Méditerranée pour repenser la relation. Bilatérales ou multilatérales, France, Maroc, Europe, Méditerranée, en tenant compte de l'immensité de talent en matière de sciences sociales qu'il y a entre nos deux pays. Alors, il y a deux chiffres qui ont attiré mon attention, des chiffres récents ces jours-ci. On apprend que le Maroc a diminué ses dépenses militaires de 2,5% à hauteur de 5,2 milliards de dollars et dans le même temps l'Algérie son voisin de l'est comme disent certains a augmenté ses dépenses militaires de 72 pour 76 par rapport à 2022 pour un total de 18,3 milliards de dollars alors qu'est-ce qu'il faut comprendre Emmanuel de ce Il faut taille. comprendre, selon le rapport du CIPRI auquel vous faites référence, qui est un think tank suédois, qui chaque année évoque les zones de conflictualité et surtout en corrélation avec cela, la manière dont les États y répondent. Il faut retenir trois éléments. Premièrement, que le monde dans son ensemble est en train de se réarmer dangereusement. 2500 milliards de dollars consacrés aux dépenses militaires, c'est-à-dire une augmentation de 6%. Par rapport à l'année dernière, explicable euh, mais pas justifiable par évidemment les conflits auxquels font face la Russie, enfin auxquels font face l'Ukraine par rapport à l'agression russe du 24 février 2022 et depuis le 7 octobre, la guerre chaude qui s'est créée autour de la conflictualité entre le mouvement euh, terroriste du Hamas et du djihad islamique et Israël, et donc la configuration de plus en plus. Dans la zone du Golfe Persique par rapport à la riposte iranienne il y a quelques jours. Mais il faut aussi retenir que, alors qu'il n'y a pas de conflit, des États sont en train de se réarmer euh, anormalement. Et c'est ça dont il est question ici. Le Maroc est en train de réduire son budget de la défense pour une raison simple c'est qu'elle a investi dans des systèmes d'armes modernes qui vont lui permettre. D'avoir la sécurisation de son espace maritime, ses 3200 km de frontières maritimes, son espace aérien et bien évidemment sa capacité à faire face à l'adversité venant de l'est de ses frontières. Donc c'est logique qu'ayant investi beaucoup les années précédentes, elle soit dans une forme d'attrition de son budget. Ce qui n'est pas normal ou ce qui est difficilement compréhensible, mais enfin je vous ai donné quelques éléments de réflexion, c'est l'augmentation de 76% du budget de la défense algérienne. L'Algérie est le deuxième pays qui achète le plus d'armes après la Russie. Alors la Russie achète des armes parce qu'elle a besoin d'avoir des systèmes d'armes qu'elle utilise. Maintenant, il, semble, <coughs> il me semble quand même que l'Algérie ne, ne les utilise pas, sauf à avoir à l'esprit que Saïd Changria… Le chef d'état-major algérien, il y a quelques jours, a médiatisé un, un exercice militaire qui laissait à penser que ce qui ressemblait fortement à une barrière, un peu ce qui est, comme ce qui existe depuis les années 80, c'est-à-dire la muraille de sable, le mur de sable, était euh, attaqué par les euh, forces armées algériennes. Donc, c'est de la provocation. L'Algérie est en train de se surarmer, l'Algérie est en train de, sa, de se réarmer, ou plutôt de s'armer, dans, euh, dans le cadre de euh, l'obtention de systèmes d'armes dont elle ne disposait pas, notamment les drones qu'elle achète en grande quantité euh, au, euh, à l'Iran. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut craindre que l'ubris des généraux algériens ne s'exprime dans une forme de tension avec ses voisins. L'Algérie est en tension, est en bisbille diplomatique avec quasiment tous ses voisins orientaux. Le Maroc, pour les raisons que l'on sait, que l'on a évoquées en filigrane. Rupture diplomatique depuis 2021. La Mauritanie, qui, en tant que président de l'Union africaine, doit chercher la médiation, soit doit jouer son rôle de facilitateur, mais qui a quand même néanmoins quelques griefs par rapport au rôle qu'entend jouer l'Algérie au sein de l'Union africaine dont la présidence annuelle est présidée est assumée par le président euh, Gazwani. Le Mali et le Niger qui se sont fâchés très sérieusement durant les dernières semaines. L'Algérie accueillant l'imam Dico provoquant le courroux absolu des autorités maliennes, des autorités putschistes maliennes. Et puis il y a quelques jours, le refoulement sans ménagement de migrants nigérians provoquant la convocation de l'ambassadeur algérien à Niamey. Il ne reste guère que la Libye et la Tunisie, mais peut-être y reviendrons-nous, puisque est en train de se créer quelque chose d'assez étonnant, une sorte de union du Maghreb désunie, puisque là, contrairement au projet qui avait été lancé, Urbi et Torbi, je reprends cette expression que vous avez eu l'amabilité d'évoquer à mon sujet, euh, qui avait été évoqué comme une façon de créer un Maghreb. Des peuples à Maghreb euh, du développement économique. Ça remonte quand même à février 1989. Et là, qu'apprend-on à Tunis que le président Kaï Saïd rejoint euh, l'idée selon laquelle il faudrait exclure euh, des pays qui, pourtant, géographiquement, intellectuellement, physiologiquement, sont euh, maghrébins On aurait pu poser d'ailleurs la question à l'ambassadeur de la Mauritanie, puisque ni le Maroc ni la Mauritanie n'ont été invités à cette réunion. Alors justement. Euh... – euh, La version que je connais, pardon, c'est que la Mauritanie a refusé. Elle a été invitée, mais elle a refusé. – Alors, disons qu'effectivement, le Maroc est dans un cas plus singulier. – Et euh, bon, cette idée euh, de micro-Maghreb, euh, de, de Maghreb uni-désuni, sans le Maroc, ça n'a pas de sens, enfin bah, C'est surtout totalement antinomique avec le sens de l'histoire. Ouais. Il faut quand même se, re, se souvenir qu'en 1989 quand l'Union du Maghreb-Agrabe est lancée. C'est une initiative euh, forte et mue par la personnification de trois personnes. Le président Bourguiba, encore président en Tunisie, le président Chadli, le dernier président civil avant que les militaires ne subrepticement s'accaparent le pouvoir, et puis le roi du Maroc de l'époque, le père de l'actuel roi, Hassan II, qui, par des relations personnelles, décide à Marrakech de, de s'unir dans une volonté, évidemment, qui euh, l'a, pour le coup, associée. Et la Mauritanie, euh, alors je crois que c'était le président Aziz à vérifier, mais je pense que c'était déjà le président Aziz, et puis le colonel Kadhafi, qui était encore président d'une un, un, Libye euh, unie, en tout cas, très loin de celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avoir un Maghreb uni, ou plutôt désunis, qui ne regardent finalement que dans une forme de triangulation autour de frontières algériennes. Parce que cette histoire du Maghreb à trois plutôt que d'un Maghreb à cinq est totalement antinomique avec l'idée de fédérer une cohésion géoéconomique, géopolitique, une, zone de grande libre, une grande zone de libre-échange telle qu'elle avait été proposée à Gadir en 2011 de nouveau sur l'initiative, là pour le coup, de l'actuel roi du Maroc, est totalement antinomique avec l'idée qu'il faille repenser la CDAO, non seulement dans l'espace du Golfe de Guinée, mais dans l'espace ouest-africain. Le, la Mauritanie, qui est sortie euh, ou qui a été sortie ou qui a été forcée de sortir euh, de la CDAO en 2000, appartient logiquement à cette organisation. Le Maroc qui a demandé à y rentrer à partir de mai 2017, suite à, au retour, après 33 ans d'absence, du Maroc au sein de l'Union africaine, me semble être plus dans la logique euh, de l'évolution spatio, euh, enfin, territoriale, ou plutôt géopolitique et géoéconomique, voire géoculturelle en jeu sur le continent africain. Les régions, les communautés économiques régionales, telles qu'elles ont été proposées à Abuja en 1991, ne tiennent plus la route, peut-être Allons-nous en parler quand il s'agit de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes qui, eux, ne connaissent pas les frontières des États, encore moins les frontières des communautés économiques régionales Donc, l'idée d'un Maghreb à trois, alors qu'un autre projet qui, lui, est beaucoup plus inclusif, la façade atlantique ou la façade oui. atlantico-africaine, l'initiative proposée par le roi du Maroc le 9 novembre dernier, qui, lui, fédère 23 pays du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, avec en perspective et la coopération entre le Nord et le Sud, une prise en compte d'un Sud global qui est un Sud transcontinental, latino-américain, africain et dans la zone indo-pacifique, et me, me semble-t-il beaucoup plus dans l'ère du temps et beaucoup plus cohérente par rapport aux vrais enjeux du moment, c'est-à-dire la régionalisation, la mise en commun face à des menaces qui sont transverses, euh, qui sont des menaces, qui obèrent euh, le développement de tous les États. Oui, c'est un projet aussi qui inclut une vision économique avec le, le gazoduc qui va longer Entre la gosse et traverser tous ces pays. Alors justement, euh, ouais. là où le projet algérien me semble de nouveau un peu anachronique, c'est que le président Kaïs Saïd qui a convoqué donc, ces deux Trois avec le président Ghazouani qui a refusé de s'y rendre, ces deux, ces deux homologues oublient qu'il y a un élément déterminant qui pourrait justifier une cohésion nouvelle autour des pays du Maghreb, c'est de désenclaver les pays qui sont à leur sud, ceux qui partagent des frontières, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Or, aucun des quatre n'a été invité. Par contre, le Maroc a invité. Le président euh, Assimi Goïta, euh, du, le colonel Goïta, euh, président putschiste, mais notamment président de transition du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, président et lui aussi président euh, intérimaire ou transitoire du Burkina Faso, et le euh, Colonel chani, euh, euh, donc président du Niger, ainsi que le président Déby, président lui aussi euh, en transition du Tchad lors d'une réunion à Marrakech. L'enjeu de la nouvelle territorialisation interrégionale ou subrégionale africaine. ce n'est pas tellement de fédérer des états qui sont voisins, c'est de permettre à des états qui sont enclavés d'avoir des capacités, de bénéficier, comme les autres, du développement économique induit par les grands projets d'infrastructure. vous en avez cité un, le gazoduc entre lagos et tanger, c'est du gaz, c'est de l'hydrogène vert, c'est du phosphate. c'est donc une capacité d'augmenter la productivité agricole des pays qui vont bénéficier de cette énergie moins chère car partagée ou en tout cas plus partagée car 15 pays, 13 littoraux, plus 2. On va sans doute y rajouter de vous à moi euh, le, euh, le, le, le en fait ça fera pas ça fera pas 15, ça fera 16. Burkina Faso, Mali et Niger. Et vraisemblablement le Tchad. Le Tchad est un peu problématique, on va sans doute y revenir, car le Tchad n'appartient pas à l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad appartient à l'Afrique centrale. Et ça, c'est un vrai problème, et on s'en est rendu compte à nos dépens, en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés terroristes, car c'était des structures ou des pays qui appartenaient à des structures subrégionales ouest-africaines. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné récemment, enfin en ce mois d'avril, la France pour les conditions de vie pas compatible avec le respect de la dignité humaine que ben, nous avons infligé aux archis dans des camps euh, durant les années 60 et 70. Est-ce que, euh, Emmanuel, vous voulez commenter un peu cette petite Oui, alors c'est évidemment un sujet très important pour revenir sur la décision de la, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne stigmatise pas la France, qui stigmatise la France dans un cas en particulier un camp très particulier, celui de Bias dans le Lot et Garonne, euh, qui était parmi les 130 sites, camps organisé ou ce qu'on appelle le forestage, des camps non organisés, souvent périphériques aux euh, cités euh, dortoirs à l'époque, ou aux cités euh, dans les périphéries en tout cas des villes, euh, reconnaît une insuffisance du financement par rapport aux ayants droit de ce camp en particulier. Ce camp en particulier est un camp de personnes qu'on appelait, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'acronyme la, 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 officiel, des incassables ou des irrécupérables. C'était les invalides de guerre, les orphelins de guerre, les personnes victimes, les archives victimes du syndrome post-traumatique. Donc effectivement, la France se trouve critiquée mis sous le boisseau d'améliorer le sort des ressortissants de ce camp en particulier. Alors, sans rentrer dans des, dans des chiffres ou des batailles, des querelles de chiffres, euh, la, Commission, euh, euh, européenne des droits, la, la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour pardon, européenne des droits de l'homme, la CEDH, précise que la somme que le gouvernement français leur attribue, 1 000 euros, est, est insuffisante et elle préconise 4000. 000. Mais pour résumer, sans rentrer... Trop dans les détails. La France n'est pas accusée sur l'ensemble de ces camps, mais sur ce camp en particulier. Mais bon, le président de la République, en septembre 2021, a fait un discours fort en demandant pardon ou acquis oh. par rapport au mauvais traitement ou à l'insuffisance de l'accueil auquel ils avaient droit pour avoir été aux côtés des forces françaises entre 1954 et 1962. Jean-Marie Bocquel, qui est en tournée africaine pour recueillir euh, le sentiment, le point de vue des, des gouvernants euh, relativement à la présence militaire française. Est-ce que vous avez quelques, quelques infos euh, de, de première main Alors, je ne voudrais pas dévoiler ce que le rapport que Jean-Marie Bocquel doit remettre au président de la République va dire. Ce rapport sera remis fin juin au président de la République. La mission qu'a Jean-Marie Bocquel est une mission ardue, complexe. Il est en même temps envoyé personnel du président sur l'ensemble du continent africain, mais en même temps sa voilure est réduite à quatre pays en particulier, là où nous avons nos forces prépositionnées, nos 350 forces françaises au Sénégal, les quelques 750, 800, 900... Militaires français dans la base opérationnelle avancée, donc dans la continuité de l'opération Licorne en, euh, en Côte d'Ivoire, nos 350 forces françaises au Gabon, à euh, Libréville, dans le corps Leclerc, et les quelques 1200, 1400 militaires français au Tchad. Sans faire de révélation, car je ne serais bien euh, mal, euh, mal positionné euh, pour le faire. Néanmoins... Je vais prendre la question dans un autre sens. Le président Emmanuel Macron a confié à Jean-Marie Bocquel la lourde tâche de prendre attache avec les principaux responsables ou les principaux intéressés. Le président Ouattara pour la Côte d'Ivoire, le président euh, Olinghi, euh, Blaise euh, Olingui euh, pour euh, le, le Gabon, le président euh, Déby pour euh, le Tchad et le président, à l'époque, Macky Sall. Et depuis quelques jours, semaines désormais, Bassirou Djumaïfai. Je vais prendre ce qu'a dit Bassirou Djumaïfai il y a quelques jours, quand il a été interrogé sur cette question, en peut-être permettant de totalement évacuer l'idée sur laquelle le Sénégal ne voudrait plus des quatre ou cinq emprises militaires que nous avons au Sénégal. Le président Bassirou a dit j'ai rien contre la présence militaire de quelque nature qu'elle soit. Mais il faut que cette présence militaire étrangère soit bénéfique aux forces armées sénégalaises. Il faut qu'elle corresponde aux besoins sécuritaires d'un pays souverain comme l'est le Sénégal. Le président Ouattara ne peut pas dire autre chose. Le président Olingui du Gabon, même si est, euh, il est issu d'un putsch militaire en août dernier également, et le président Déby, qui est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, ayant succédé à son père. Manu Militari, peut-on dire ainsi, après le décès de son père en avril 2021 également. Donc la question des bases n'est pas tellement un repli en mauvais ordre, mais un redéploiement intelligent. Alors que les bases françaises ont vocation à être régionalisées, à être mutualisées, un certain nombre de nos partenaires regardent avec beaucoup d'intérêt une capacité de partager des emprises militaires. Prenons l'exemple très particulier des États-Unis qui cherchent, depuis la création de l'Africom en 1984, déjà en 1984, qui se situe à Stuttgart, faut-il le rappeler, en Allemagne, se cherche un lieu pour que le commandement des militaires américains puisse être réalisé pour l'édification de nos téléspectateurs. Les États-Unis sont présents dans 31 pays africains, donc le commandement un des cinq commandements militaires américains, AFRICOM, se trouve être en Europe, ce qui n'est pas logique. Donc il est tout à fait possible que si le président sénégalais euh, cherche à mutualiser avec d'autres partenaires, les emprises militaires françaises de Dakar puissent permettre que nous coopérions davantage avec les forces américaines. Premier exemple. Deuxième élément. Le président Basirou y a fait référence. J'espère, ça me permet de vous répondre, que le rapport de Jean-Marie Bocquel l'évoquera. On oublie qu'à côté de, du prépositionnement militaire français, il y a une sorte de dispatching, si on puisse exprimer ainsi, de militaires français à peu près partout dans le continent africain. On a 22 écoles nationales à vocation régionale, qui sont des écoles, comme le nom l'indique, situées dans des pays, au Togo, en Guinée équatoriale, au Sénégal, en Côte d'Ivoire au cameroun au gabon au congo dont le but est d'apporter un niveau d'expertise et de, de spécialisation dont ont besoin les forces armées que l'on forme la cybersécurité la lutte contre la piraterie, la, la piraterie maritime le service l'expertise en matière de service de santé des armées l'ingénierie militaire le génie militaire la, la, construction, la construction de routes la construction d'infrastructures. Bref, ces 22 écoles nationales à vocation régionale sont une façon intelligente de maintenir un intérêt ou une présence militaire française. Vous m'autorisez d'utiliser au moins une expression anglaise. Les, Anglais, les, les, les anglo-saxons appellent ça le light footprint être présent, mais pas forcément être présent de manière ostentatoire. Je crois qu'il serait intelligent pour euh, que nous ne soyons pas. Chassés de tous les pays où nous avons une emprise militaire, que nous adoptions cette subtilité de présence continentale. Emmanuel, il nous reste deux minutes, en fait. On a été très long. J'ai été Il euh, euh, y a plusieurs petites questions, peut-être. Euh, le changement de régime au Togo, mais si on peut faire ça très vite, puisqu'on passe à pas un grand chose à dire, hein. parlementaire. Oui. Bon, ça fait bizarre parce bah, que... Le président, le président Fourniasimbe euh, va sans doute euh, conceptualiser une, un maintien au pouvoir euh, qui, d'une certaine façon, lui permet donc de, lui, personnellement, se maintenir au pouvoir et de changer la nature de son régime, qui va devenir un régime parlementaire. Alors, il faut quand même que... Parce qu'en fait, l'astuce, c'est que dans le régime parlementaire, il n'y a pas de limite. Voilà. À la, à la le président sera élu à partir donc du changement constitutionnel qui a été voté il y a quelques mois par ses pairs, entre guillemets, enfin il peut ne pas être parlementaire du reste, sera élu par les parlementaires. Or, le parti majoritaire, le parti unir, le parti donc de la famille, euh, il y a des mains, hein, de la famille euh, du père euh, comme du fils, au pouvoir depuis maintenant 40 ans. Farni Assimbi est au pouvoir lui-même depuis 2005, est ultra majoritaire, puisque sur 91 membres de ce Parlement, 86 appartiennent au parti majoritaire. Donc le président sera issu du consensus du parti qui occupe 95% bon. euh, des suffrages. Donc Emmanuel, on traitera de l'Égypte la prochaine fois, car là on a dé plaisir. dépassé l'horloge. Et donc, euh, euh, nous allons maintenant recevoir l'ambassadeur de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Yahya Taïs, qui est à Paris depuis peu, enfin qui a pu présenter récemment ses lettres de créance. Et, et sinon, on se retrouve avec Emmanuel très bientôt pour la troisième édition de Africa Actu. Re bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence Mohamed Yaya Tes, ambassadeur de Mauritanie. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à jusqu'au studio de Télésud. Et donc, on va passer une petite demi-heure ensemble à euh, quelques questions concernant votre pays. Alors, d'abord, la première, c'est que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain, euh, le 29 juin, peut-être. 29 ça juin. Et euh, on s'est juste de voir qu'il y a un processus électoral qui s'amorce tranquillement, on va dire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire de l'avancée démocratique de votre pays Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de donner un aperçu de la situation et du contexte en Mauritanie. Euh, la situation politique est stable. Comme vous le constatez, nous avons une élection présidentielle qui succède d'ailleurs à une élection législative, régionale et municipale il y a un an tout juste. Et euh, nous avons euh, une situation politique apaisée qui euh, constitue euh, un élément essentiel pour la stabilité politique. Vous savez que la stabilité et la sécurité sont les deux piliers euh, pour asseoir une société euh, de progrès, une société moderne. Et pour aller de l'avant. Donc, c'est une situation politique stable dans laquelle nous avons du pluralisme politique, mais également des opinions diverses et des médias indépendants et une société civile active. Tout cela permet à nos citoyens de se faire une libre opinion et de se positionner également. Alors, en plus, euh le contexte économique est formidable parce que le FMI prévoit pour vous, la Mauritanie, un taux de croissance l'année prochaine, en 2025, supérieur à 14%, 14,3% exactement. Bon, les prévisions, on n'est pas à un centième près, mais... Et donc, grâce à la mise en exploitation des gisements gaziers et pétroliers sur la, la région que vous partagez avec le Sénégal, d'ailleurs, qui... Est-ce que l'exploitation a commencé déjà Qui fait ça Comment ça se présente Les perspectives gazières sont un bon présage et une belle promesse pour notre économie. Nous avons effectivement ce champ gazier transfrontalier qui est partagé avec le Sénégal et dont la production, pour répondre à votre question, va commencer au troisième trimestre de cette année. Donc nous y sommes quasiment. Nous espérons que cela va donner à notre économie une embellie. Et avec le Sénégal, nous avons cette approche de partage et d'exploitation commune de certaines ressources. Nous sommes d'ailleurs coutumiers de cela. Nous avons également l'OMS pour la ressource fluviale, hydrique, qui est d'une très grande importance. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, c'est une... C'est une perspective qui va commencer bientôt, comme je l'ai dit. Nous avons pour partenaires British Petroleum et Cosmos Energy. Et naturellement, les deux gouvernements, tout cela fait autour d'accords afin de, de s'assurer d'une exploitation optimale et d'un partage également équitable entre toutes les parties. On va faire une petite incise sur le, le voyage présidentiel de, donc, du président élu Faye du Sénégal, qui vous a accordé son premier déplacement. Est-ce que c'est dans les usages, c'est dans les habitudes, ou est-ce que c'est est, est une démonstration d'intérêt particulier pour le, le bon voisinage entre les deux pays Ceci explique cela. Je parlais. Hein. De, de cette coutume de bon voisinage entre nos deux pays, qui sont très imbriqués, qui ont des relations solides. Cette visite, euh, la première euh, qu'a effectuée le président Diomai Fai, euh, en tout cas depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'il a été élu, est emblématique de cette relation euh, entre nos deux pays. Et euh, elle vient consolider ce qui est déjà très solide en termes de relations entre nos deux pays, qui ont l'habitude de se fréquenter à tous les niveaux. Vous savez que les échanges et la mobilité entre le Sénégal et la Mauritanie sont très importants, de personnes, de capitaux, de, de biens. Et donc, de ce point de vue, c'est une exception sous-régionale, cette proximité entre nos deux pays qui vient d'être justement confortée par ce premier voyage du président sénégalais. Alors, on revient à l'économie. Quelle est la structure de l'économie euh, mauritanienne Bon, c'est l'importance de, de, du secteur minier, de l'alieutique. pouvez -vous nous détailler un peu Vous l'avez souligné, euh, la structure de l'économie mauritanienne est encore pour le moment davantage orientée vers le secteur minier, qui participe pour une bonne part dans les exportations et également en termes de contribution au PIB. Euh, nous avons le secteur de, de, de minéralier, du fer et, et, et de l'or qui sont exploités depuis pour l'un des décennies, pour l'autre plus d'une décennie. Et bien sûr, cela ne se, ne se fait pas au détriment des efforts que nous faisons pour diversifier un petit peu les bases de cette économie en faveur des autres secteurs que sont l'agriculture, l'élevage de tourisme et même des services. Nous avons donc un très bon potentiel qui, euh, certes, euh, attend encore beaucoup de transformations pour créer de l'emploi, de la richesse, de l'investissement étranger que nous souhaitons, euh, mais c'est une économie équilibrée dans la mesure où les grands équilibres macroéconomiques sont rétablis et, et, et la dette également en termes de marge de manœuvre restaurée grâce à certains. Euh, Accords avec euh, des bailleurs. Donc, oui, on oui. est dans une bonne situation et vous avez souligné euh, de très bons euh, taux de croissance pour cette année. Oui. Euh, cette année, je crois qu'il est supérieur à 5%. 5, Mais, mais l'année prochaine, alors là, on, 5, vous allez tous devenir hier puisque on, on prévoit, enfin, j'ai lu dans l'article sur le FMI que euh, les recettes attendues globales sont de 25 milliards de dollars. Comme vous êtes à peu près 5 millions, facile. nous allons essayer de travailler afin d'optimiser tout cela et surtout de transformer tous ces atouts afin de euh, fonder une économie sur des bases beaucoup plus solides et qu'elle soit moins dépendante du secteur extractif euh, proprement parlant. Aussi, vous avez reconquis la confiance internationale. Je dis ça parce que... Le FMI vous prête 258 millions de dollars pour renforcer la résilience au choc climatique Oui, nous avons Aussi. un très bon partenariat multilatéral avec les institutions ouais. financières internationales. Donc, et comme euh, je l'avais dit, nous avons restauré des marges euh, qui ont desserré euh, en tout cas les taux de la dette extérieure. Et, et nous, donc il ne reste plus qu'à promouvoir le pays auprès des investisseurs internationaux c'est le sens de ce que nous voulons et de ce que nous faisons actuellement. Nous pensons que le partenariat pour l'investissement étranger direct en Mauritanie pourra contribuer à transformer l'économie davantage et à créer ce savoir-faire qui va permettre en termes d'expertise, de connaissances également, de faire évoluer nos secteurs. Alors ces dernières années, vous avez aussi beaucoup avancé en termes de réalisation d'infrastructures il y a le fameux pont avec le Sénégal c'est comment on appelle le pont de Rosso et il y a aussi l'électrification de presque 500 villages c'est énorme les orientations que le président de la République Mohamed Cheikh Razouani, a définies dans ce sens sont d'avantage de d'aménager de manière équitable le territoire et de faire de plus grands accès aux services aux infrastructures de toutes les parties euh, du territoire. C'est pour cela qu'il y a un focus justement sur l'électrification des villes, sur le désenclavement, surtout du monde rural. Et euh, cela permet de créer beaucoup d'opportunités euh, sur le plan économique. Mais également, et nous en parlerons, euh, une sorte de concentration des efforts sur les couches défavorisées, parce que c'est aussi un aspect qui, qui importe beaucoup au président de la République. Oui, on viendra tout à l'heure aux avancées sociales. Mais euh, encore pour les infrastructures, on peut citer le projet Nour, donc, euh, qui est un grand projet de, de production d'hydrogène vert et qui euh, nécessite un investissement de 3 milliards et demi de dollars. Donc c'est un très grand projet. Nour en arabe, ça veut dire lumière, je crois, non Oui, Nour, c'est lumière ouais. et c'est bien nommé parce que l'énergie, ça, ça éclaire, entre autres fonctions. Euh, L'hydrogène vert est une euh, grande promesse euh, parce que c'est une euh, énergie propre et euh, la Mauritanie offre de ce point de vue un potentiel en termes d'ensoleillement, d'eau, euh, en termes de proximité avec l'océan et, et, et de vent qui font que nous avons un territoire euh, très vaste et qui euh, offre des perspectives de ce point de vue. D'ailleurs, beaucoup d'investisseurs commencent à venir d'Amérique, d'Europe, très intéressés par les perspectives de construire un partenariat et d'ores et déjà des accords ont été signés. Donc nous pensons qu'à l'avenir proche, c'est une énergie qui va compter, en tout cas sur le plan international. Justement, j'ai lu un article que, que m'a proposé un ingénieur mauritanien, j'ai oublié le nom, pardon, mais que j'ai publié sur mon site africapresse.paris, il, est, euh, il développe l'argumentaire comme quoi la Mauritanie a le potentiel pour devenir le champion d'Afrique en termes de production d'hydrogène. Voilà. c'est aussi une très bonne nouvelle. Oui, certainement. Parce que nous parlons beaucoup d'énergie. de débat entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, il a cours depuis quelques années. L'Afrique a beaucoup de ressources euh, fossiles, mais également. Comme la Mauritanie a un potentiel en matière d'ensoleillement, de, de vent, d'eau et, et d'espace qui, qui vont pouvoir nous placer, en tout cas dans le cadre de l'exploitation de toutes ces ressources naturelles, afin que l'on puisse faire démarrer une économie fondée sur les énergies renouvelables. Alors, à côté des infrastructures, ou en amont, ou autour, comme on voit, il y a aussi le climat des affaires. Et là aussi, vous avez avancé en termes de, de bonne gouvernance, enfin de transparence, de lutte contre la corruption, et peut-être d'autres dispositifs pour attirer les investisseurs, si vous voulez nous en parler. L'orientation vers les investissements est vitale pour la Mauritanie, parce que le code des investissements que nous avons désormais mis en place offre des perspectives très intéressante pour les investisseurs. Et nous avons fait un effort à la fois sur les règles euh, de l'investissement en termes de protection et d'incentive qu'on peut leur offrir, mais également d'institutions dédiées justement à l'investissement en termes d'encadrement, en d'amélioration et de communication et de dialogue entre les secteurs privés, euh, nationaux et étrangers. Mais nous avons également dématérialisé euh, toutes les procédures de manière à les simplifier via un guichet unique et euh, nous avons euh, mis en place un centre de médiation et d'arbitrage afin là aussi de moderniser euh, le règlement des litiges commerciaux et d'offrir aux investisseurs plus de sécurité euh, en la matière. Alors le social, parce que l'économique, le social, euh, c'est intimement lié normalement quand euh, on a une politique euh, tournée euh, vers la satisfaction des besoins des citoyens. Alors vous avez fait une, une avancée euh, très puissante, très emblématique, c'est la création de la couverture maladie universelle. Mais est-ce que vous l'avez fait d'un coup ou est-ce que c'est par palier euh, Comment ça se présente Ou si vous, vous avez euh, revalorisé les retraites des fonctionnaires et euh, vous avez un programme de solidarité de 500 millions de dollars, qui s'appelle le programme Tazour, de la construction de logements sociaux aussi, et puis un programme d'initiation au financement participatif. Donc euh, tout ça, c'est des éléments d'un puzzle qui est très dynamique. Parlez-nous-en un peu plus, euh, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. L'aspect social est, est fondamental pour. Euh le président de la République justement qui a orienté et défini la nécessité de venir euh, en appui aux couches les plus défavorisées. Euh, nous avons euh, Taazor qui est une institution nationale dotée de fonds importants et dédiée justement à l'action sociale dans ce domaine. Et, 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 et la gamme de ce que fait Tazor est est relativement importante dans la mesure où cela va des infrastructures à construire au bénéfice des plus vulnérables, des habitats sociaux, des centres de soins, des écoles, mais également des activités génératrices de revenus qui accompagnent ces personnes. Et vous avez souligné la couverture universelle. Maladie, parce que c'est un aspect qui importe au gouvernement de pouvoir placer ces populations dans un accès beaucoup plus amélioré aux soins de santé et à l'éducation également. C'est un aspect qui compte beaucoup dans un pays où il y a encore des marges de pauvreté à éliminer, à réduire et à combattre. Alors abordons un sujet qui est une préoccupation pour de nombreux pays en Afrique, y compris en Occident d'ailleurs, par ricochet, c'est celui du terrorisme. Alors vous, les Mauritaniens, bah vous avez euh, la chance, vous, euh, peut-être vous avez eu le talent de vous en préserver, puisque ça fait plus de 10 ans, 12 ans, je crois, il n'y a eu aucun incident chez vous, sur votre territoire. Mais bon, maintenant, avec l'évolution géopolitique autour de vous, euh, peut-être qu'il y a quelques frictions, euh, Peut-être avec le Mali, je ne sais pas, je vous pose la question. En matière de sécurité, vous le savez, et ça a été amplement souligné, les résultats ont, sont un succès pour la Mauritanie qui a entrepris de, de gérer cet aspect afin de reprendre le contrôle du territoire et d'asseoir une sécurité à la fois des villes et des campagnes. Et cela a été atteint comme objectif. Et cela fait notre fierté également parce que c'est un effort national, bien entendu avec un partenariat dans certains domaines sur le plan international et, et, et sous-régional. Vous savez, l'expérience de la conquête de la sécurité pour la il qui a maintenant une décennie et demie, c'est basé sur des actions multiformes qui vont de la déradicalisation à la discussion avec un certain nombre de prévenus justement ou, ou de prisonniers qui avait euh, auparavant été impliqués dans des actions terroristes. Et cela a donné un fruit, ce dialogue, cet, cet éclairage pour une jeunesse qui avait besoin euh, qu'on qu lui montre le chemin en la matière, mais également de l'équipement de nos forces de sécurité en les modernisant et en, en opérant des stratégies qui soient plus adaptées au territoire proprement dit, et même sur le plan administratif. Euh, la création de villes dans des euh, espaces qui euh, auparavant étaient euh, trop désertés, afin de cristalliser un peu une certaine urbanité et de pouvoir contrôler davantage le territoire. Toutes ces actions combinées ont permis d'atteindre un niveau de sécurité euh, euh, très élevé et très important, qui est d'ailleurs noté par euh, l'ensemble des partenaires. Monsieur l'ambassadeur, la dernière question, ou l'avant-dernière, je vous réserve une surprise pour la dernière. Vous présidez, la Mauritanie préside de l'Union africaine cette année. Quels sont les axes de votre action Quels sont les rendez-vous que vous avez prévus d'organiser au titre de cette présidence Oui, cette présidence de un exercice de l'Union africaine est à la fois... Un consensus qui s'est établi autour de la personne du président Mohamed Sheikh Azouani par ses pairs et une reconnaissance également du rôle qu'il joue dans l'apaisement des relations euh, sur le continent et dans le voisinage. Euh, nous avons désormais à porter haut la voix de l'Afrique dans les euh, enceintes internationales et dans les grands rendez-vous. Il y a déjà un agenda très fourni. Euh, sur lesquels euh, notre gouvernement euh, travaille. Et euh, vous savez que l'Afrique est désormais cooptée au G7 et au G20. Et nous avons également des euh, formats de rencontres sur le plan régional, euh, international également avec l'Asie, avec l'Europe. Donc il y a beaucoup de discussions qui s'ouvrent et l'agenda, je vous le dis, est d'ores et déjà plein. Euh, nous insistons pour cette présidence de l'Union africaine sur des thématiques du futur, la jeunesse et la paix, et un certain nombre d'orientations dans ce sens, et la cohésion, la solidarité de l'Afrique et euh, la défense de ses intérêts dans un monde qui est encore ouvert aux discussions et, et, et un monde de conflits d'intérêts euh, et d'opposition d'intérêts. Euh, le président aura à cœur de participer à tous ces grands rendez-vous afin de porter la, la voix de l'Afrique et, et, et de donner, en tout cas au monde, euh, ce que nous offrons en tant que continent d'avenir, jeune, et en, en, en insistant sur beaucoup d'aspects comme l'éducation, je l'ai dit, la paix, afin de, de mettre et de placer notre jeunesse sur les bons chemins pour qu'elle contribue à l'avenir de nos sociétés. Alors, la dernière question, c'est sur le bilatéral Mauritanie-France. Vous êtes ambassadeur à Paris depuis septembre. Vous avez pu présenter vos lettres de créance il y a environ deux mois. Fin février. Donc, jusque-là, vous étiez tenu selon la tradition, l'usage, à une certaine réserve. Mais je sais que vous avez déjà commencé à prendre bouche, contact avec des, des personnalités éminentes du monde de, de l'entreprise. Par exemple, le SIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique. Euh, ma question pour faire plus, plus court euh, qu'est-ce que vous attendez de la France, des, des entrepreneurs, enfin, des investisseurs On imagine la réponse, mais ça vous. Euh, donc, euh, dans votre mission, euh, quel, quels objectifs vous êtes assignés Notre objectif est certainement partagé par la France, qui est un pays ami et. Euh, avec qui nous avons des relations très anciennes et je vais dire des relations apaisées. Également parce que nous avons cheminé à travers des décennies dans des contextes très complexes, mais nous avons toujours gardé l'essentiel, celui d'être euh, deux pays qui ont de bonnes relations et qui travaillent euh, mutuellement à faire avancer ces, ces, ces relations dans le bon sens. Euh, bien entendu, nous attendons la France qui est un partenaire majeur pour la Mauritanie, euh, qu'on puisse rapprocher nos secteurs privés afin de créer une dynamique économique. Nous savons que les entrepreneurs français euh, ont une très grande présence à travers le monde, en Afrique même, et nous voulons prendre notre part de, cette, de cet investissement français, de ce savoir-faire français et de cette expertise pour qu'on puisse, à notre tour, bénéficier. De l'ensemble de ces éléments pour faire progresser nos économies. Vous savez que l'économie chasse les mauvaises choses comme l'insécurité, comme les menaces qui sont d'ailleurs collectives. Et la Mauritanie et la France se retrouvent dans beaucoup de partenariats communs euh, l'euro-méditerranée, le partenariat avec l'OTAN. Euh, le multilatéral euh, au niveau de l'Assemblée générale de l'Union. Donc toutes ces enceintes nous permettent, comme très souvent d'ailleurs, de travailler ensemble, euh, Français et Mauritaniens, main dans la main, afin de pouvoir faire avancer nos causes communes et nos intérêts communs, parce qu'il y en a. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez utilisé le mot paisible, apaisé plutôt. Ça, ça fait plaisir à entendre, ça c'est un point de vue personnel. Mais est-ce qu'il y a des secteurs euh, particuliers que vous voulez promouvoir, enfin je ne sais pas, la, la production d'énergie peut-être, euh, autre chose euh. Oui, nous avons une approche vis-à-vis -vis du, du, du patronat français. Nous avons commencé dans les chambres de commerce franco-arabe, par exemple, et des rendez-vous avec le sien bientôt, qui vont nous permettre de focaliser un peu nos efforts et d'identifier quels sont les secteurs qui peuvent intéresser réellement et dans, sur lesquels nous ferons l'effort, euh, comme c'est déjà fait en matière de code des investissements pour que les entreprises françaises puissent venir. Nous avons le secteur aléatique qui est extrêmement important. Des côtes les plus poissonneuses au monde, un grand potentiel et une grande marge de transformation qui reste encore à prendre par les uns et les autres. Nous avons l'agriculture et l'élevage également, et le tourisme. Tout cela fait que la position de la Mauritanie, qui est bien placée sur le chemin de, 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 du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, et dans cette, ce nord-atlantique qui est plus ou moins sécurisé, et dans lequel il n'y a pas de détroit et dans lequel la navigation maritime entre la Mauritanie et l'Europe, parce que les côtes espagnoles sont très proches, on est à 48 heures de navigation, à moins de 4 heures de, de vol. Et donc euh, cette proximité justifie d'abord que l'on puisse travailler pour euh, créer ensemble euh, cette richesse et promouvoir ensemble l'économie parce que c'est cela qui va euh, faire progresser nos sociétés et qui va nous mettre dans une plus grande sécurité par rapport à l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Je saisis l'occasion pour vous inviter à notre 13e conférence des ambassadeurs africains de Paris, qui aura lieu le 30 mai. Donc Très vous bien. recevrez évidemment une invitation en bonne et due forme. Très et vous. On se réjouira de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci, merci encore bien. et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous.